On va aller vers le manga gazé. Il nous reste que deux manuels d'Albed hein, pour info. À voir. Pour vous dire à quel point on est proche de la fin du jeu. Attends, je vérifie juste qu'il n'y a pas de coffre. Non. Pas de coffre. Clairement, bac plus 5 en Albed. Là, en gros, il reste 1, 2, 3 zones. Suite, elles sont assez longues, hein, chacune d'entre elles. Il reste 3 zones dans le jeu. Dont le manga gazé. Mais elles sont très longues. Le manga gazé, on en a pour au moins une heure, je crois. Summons from Lord Seymour. Come with us. We have nothing to discuss with Maester Seymour. Yeah, so out of our way. Lord Seymour's commands must be obeyed. You will come. I warn you. The Maester doesn't need you alive. Oh bah ça va, toujours plus. Putain, il s'est pris une de ses patates. Ah oui, contre-attaque avec Rocket Pong. Aïe aïe aïe. Allez, montre-lui. Ça, ça fait hyper mal, hein. Bon, ça aussi. Mon Dieu. Il y a combien? 16 000 encore. HP. Allez, on va essayer de faire survivre le petit. Oula! Mais ça d'un côté, ça peut être appris, je pense, par Kinari Moteur, non? Même pas?
Mon run, il commence à taper, hein. Ok. This isn't the way. That way leads down into the valley. Wow, you know your way around, yeah? Huh? Qu'est-ce que tu penses, Karim? Là, en gros, si on va dans la vallée, ici, il y a une grotte qui met environ, je dirais, 30 minutes, qui nous donne une autre chimère. C'est complètement optionnel. Est-ce qu'on le fait ou pas? Ou est-ce qu'on continue l'histoire? Elle est assez stylée, ouais, on va la faire, je pense. Je fais un petit peu de sphérier. Ouais, ce qui est bien aussi, surtout, c'est que ça t'en apprend plus sur Lulu et tout. Ce qui est sympa. Hop. Ah, bientôt fini le chemin avec eux dans quelques niveaux. Ok, bah let's go, hein. Faith is inside, as are the fiends. Hey, this where? Where? What? The summoner I guarded on my first pilgrimage died here. Yuna, let's go. The faith awaits. Bah, ça met la bonne ambiance, hein, Lulu. Bon, le chemin devrait pas être trop long. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas tuer, et quand tu le tapes, il te dit perdu, gagné, et il fait un truc. Ah, quand même, ça a fait mal, hein. Ouais, mais... là, 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 là. Aïe, 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 aïe. Bah, allez-y, essayez d'empoisonner notre ami... Notre ami Oran, avec du cyanure, parfait. Bon alors, Oran, faut que tu le défonces, parce que sinon il va me tuer.
Nickel. Ok, donc il y en a un qui vient de se mettre boomerang. Donc si je fais brasier, ça va me le renvoyer. Donc je peux pas. Donc j'imagine qu'il faut d'abord enlever son boomerang. Et ensuite, Lulu pourra le tuer normalement. Est-ce qu'il est résistant quand même, hein? Je vais peut-être mettre des gens rapides en... Parce que le problème... Oh, en plus je suis pris par surprise. C'est quoi ces dégâts là que les gens ils ont? Je meurs si j'attaque avec Tidus, hein? Ouais. La réponse est oui. Bon. Je sais pas, il y avait un petit poison, j'ai hésité. What's a faith doing in a place like this? Don't ask me. They say it was stolen from a temple long ago. Huh? With no faith, summoners cannot train. Without training, they cannot call the final Aeon. Without the final Aeon, they cannot defeat Sin. That is why. 'Cause then the summoner won't die. Hmm. That must be what the thief was thinking. Pas mal comme raisonnement. Le gars a du coup volé la... I kinda agree with him. Mm-hmm. Bon, du coup, on va complètement à l'encontre. C'est pour ça que ça s'appelle la grotte du priant volé. Parce que bah, le priant était volé. Ok, est-ce qu'il va nous donner plus de chance cette fois? Bon, on va se casser parce qu'il va exploser. On connaît la suite, hein. Bon, lui, celui qui nous avait explosé, là, on connaît. Allez, est-ce que c'est le 30e? C'est le 30e, ouais! Trop content. Bon. Prochain overdrive, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, c'est vrai qu'il a représailles. Non.
Je vais prendre Yuna. Ah oui, un nouveau truc que j'ai eu. C'est que maintenant, je peux faire sorcellerie qui fait 2 sorts. Ça, c'est de la compétence que je viens de débloquer dans le spawn. Du coup, c'est trop fort sur Vini. Genre là, j'aurais enchaîné avec un deuxième brasier s'il était pas mort. Contre les boss, c'est très fort. Ça double ses dégâts, en fait, hein, tout simplement. J'ai eu le coffre qui était là-bas? J'ai oublié. Bon, on va se casser direct. Sortez-là, il vient de battre. Ouais, je l'ai déjà eu. Bon, je fais des allers-retours. Hein. Qui est les champignons? As you wish. Par exemple, ouais. Je pourrais tout tuer là. Faire ça et ça. J'avoue, c'était un poil sexiste. Yuna, hop, on va s'en étudier. J'ai des défigeurs. Oh, j'en ai que un. Ensuite on fait venir... Mince. Auron. On finit la partie du ski achève. Je crois qu'on est bientôt à la fin. Cool, une sphère étoile. Alors lui, si je me souviens bien, il peut me tuer en un coup. Je peux apprendre un truc de lui. Ah, c'est bien ce que je me disais. You couldn't reach the far plane. Ok, donc ça en gros ça fait que dans 5 tours on est mort, un truc comme ça. Hop. Il y a un petit 5 au-dessus de ta tête. Well then, what next?
C'est vraiment pas un combat à l'autre, heureusement. Hop. Attendez, on va soigner. Ah, ouais, non. Je pourrais faire ça spécial, mais c'est plus rigolo quand il y a 3 monstres quand même. Ok. Toc. Qui marie. Fiona. Et Waka. J'ai fait jouer ceux-là. J'ai fait jouer ceux-là. Je sais pas si on a fait jouer Riku en fait. Hop, on va faire des petites sorcelleries. Pep! Another Guado fiend? No, an unsent. It is. It's you, is it not, Lady Ginnam? Forgive me. I was too young. Ouais, c'est la première invoqueur de que Lulu a protégé. Left in you now, is there? Qui est mort dans cette grotte. Very well then. Allow me to perform my last duty to you. My last as your guardian. Il est mignon avec son petit chien. Thank you.
Que 800 il enlève. Oh là là, il est nul, Tidus. Incroyable d'être aussi nul. Bon, du coup, ça spoil puisque ça, le truc qu'on vient de tuer, c'est l'invocation qu'on risque d'obtenir si on parle bien au priant. Vous allez comprendre pourquoi je dis si on parle bien au priant. Strange. I thought it would be sadder somehow. Maybe I've gotten used to farewells. You're stronger now. Waka. I hope you're right. Yuna, the faith is inside. Go do what you came to do. Ok, bah souhaitez-moi bonne chance, hein. Quoi? Je crois que j'étais dans la chambre du priant. Je me suis trompé. Y a rien ici. Parce que c'est pas un priant comme les autres. Il va falloir négocier. Aïe. I am the Blade of Vengeance. They dare only whisper my name. Yojimbo. Summoner, I ask you, what do you want of me? J'aime trop parce que le priant, je sais pas si vous avez vu là, donc il est en spectre, mais à côté il y a un chien, comme la représentation qui va être sur la chimère, c'est stylé. Pour parfaire mon entraînement d'invoqueur, pour éliminer les créatures stules, non, pour terrasser le plus puissant des ennemis, évidemment. You must pay my price. Make your offer. 250 000, il demande. On va lui proposer 150 000. 160 000. Do we have a deal? 232 000. Do we have a deal? Ok, on va accepter 217 000. Adequate. You are my client henceforth. My sword shall guard you on your journey, Summoner. Il est trop stylé. Bah, vous inquiétez pas, on doit pas tous retaper à pied, on peut prendre ça pour retourner au début. Hop, sphère MP, on va la donner à Lulu, je pense. Si elle a une case vide près d'elle, nickel. Ok. Vous voulez qu'on fasse un combat juste pour quand on l'invoque, qu'est-ce que ça donne? Vous allez rigoler.
Non, pas un combat comme ça. Aïe aïe aïe. Un vrai combat. Donc déjà il a combien de points de vie? Sous la sœur one shot, donc 2900. Bon, c'est un peu risqué. Mais écoute, on aime le risque. Hein. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un risque. Oh, trop mignon le chien. Alors, ce qui est inédit du coup avec Yojimbo, c'est qu'on sélectionne pas ses techniques. On peut juste le rappeler ou le motiver en payant des sous. Ce qui est quelque chose quand même. Donc, par exemple, si je lui paye 1000, il va acquiescer, il va faire un truc. Ok, là il a pas acquiescé donc il est pas très content. Mais il fait mal quand même, hein. Si je le paye plus, on va dire... Bon allez, c'est pour la vidéo. Zanmato, c'est sa meilleure technique. Alors, c'est une technique complètement abusée qui fait que l'ennemi meurt, peu importe ses HP, peu importe ses machins, et ça marche sur les boss. Donc en gros, Yojimbo, il permet de cheat le jeu, dans le sens où, si t'es assez riche, tu peux juste payer. Dès que tu l'invoques sur n'importe quel boss, tu le payes et... Et c'est fini. Donc pour ceux qui ne sont pas très forts, on va dire à... Pour ceux qui n'aiment pas farm plutôt, parce qu'il n'y a pas vraiment à être fort. Pour ceux qui n'aiment pas farm, ils peuvent juste battre tous les boss du jeu comme ça. Avec Zanmato. Et il faut payer du coup assez cher. Là, j'ai dû payer cher pour un monstre bidon, donc... C'est en fonction du boss. Plus le monstre est faible, plus moins ça coûte cher. Et des fois il le fait même de lui-même sans qu'on le paye. Mais si c'est un boss, il faut payer souvent quelques millions, etc. C'est clairement pay to win. Donc là on quitte la zone et on va aller au manga gazé, là on était censé aller depuis le début. Farewell. That's how it's done. Ah, j'ai oublié. Faut juste que j'aille... recruter un gars dans mon équipe de Blitzball. Je vais fuir les combats si on se fait agresser. Hop, ce brave gars là. Toutefois, le grand avocat Yukun s'est entraîné dans cette vallée. Ok. Hop, on prend ça au passage.
Bon, allons sur la terre de Kimari.